بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, avec un nouvel épisode de vie d'un homme exceptionnel, encore un, subhanallah, qu'on appelle le cinquième calife bien guidé. Pour simple rappel, le premier des califes bien guidés était l'imam Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, lui a succédé Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui a succédé Uthman ibn Affan et lui a succédé l'imam Ali ibn Abi Talib radiallahu anhum jami'a. D'autres califes se sont succédés jusqu'à temps d'arriver à Umar ibn Abdel Aziz. Umar ibn Abdel Aziz rahimahullah rahmatan wasiha, rajulun ajib, un homme qui était extraordinaire, versé dans les sciences du hadith, versé dans les sciences du Coran, versé dans les sciences du fiqh. Un homme dont tous les tabi'in parlaient de lui, subhanallah, de la meilleure des façons. Sofiane al-Thawri parlait de lui d'une façon extraordinaire. Al-Hassan al-Basri de même. Tous les grands imams des tabi'in, rahimahullah. Cet homme accède au pouvoir et a eu un khalifa qui n'a duré qu'un peu plus de 2 ans. Il est mort empoisonné, subhanallah. Cet homme exceptionnel était dans son bureau durant la nuit, en train de s'occuper des affaires des musulmans, éclairé donc par une bougie. Un homme parmi ses amis rentre dans la pièce et lui passe le salam. Salamu alayka ya amir al-mu'minin. Ô toi le gouverneur des croyants. Et il lui répond de la plus belle des façons. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis ensuite, la personne lui demande. Kayfa haluka ya amir al-mu'minin. Comment vas-tu, ô toi le dirigeant des croyants? À ce moment-là, il fait une action que personne ne comprend. Il ouvre un tiroir, sort une bougie, allume cette deuxième bougie, prend la première, souffle, l'éteint. Et donc à présent, il n'est éclairé que par la deuxième bougie. Il le regarde avec un grand sourire et lui dit « Alhamdulillahi ala bi khayrin wa ant. Alhamdulillah, grâce à Allah Azza wa Jal, la louange lui appartient pour tout ce qu'il nous donne et aussi par essence. Je vais bien. Et toi, comment vas-tu ?» Le compagnon qui assiste à cette scène ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Et il lui pose la question. « Ya Emir al-Mu'minin, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. » Alors écoutez bien ce qu'il va lui dire. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Il lui dit « Lorsque tu m'as passé le salam, c'était ton droit et une obligation pour moi de te répondre. Je t'ai donc simplement répondu en tant que musulman. Et la charge de musulman rentre dans la charge de khalifa, de dirigeant des musulmans. Par contre, lorsque tu m'as posé la question sur « Comment je vais, moi, en tant que personne, moi, Omar ibn Abdelaziz ?» Eh bien, à ce moment-là, je n'étais plus en train de te répondre en tant que khalifa, mais en tant qu'homme. Et cette bougie a été achetée avec l'argent des musulmans. Cette bougie a été achetée avec l'argent des musulmans. Et je ne voulais pas utiliser cette bougie et simplement la lumière de cette bougie pour répondre à une chose qui me concerne, moi, en tant que personne. Alors cette deuxième bougie que j'ai allumée, elle m'appartient et je l'ai achetée avec mon propre argent. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Et c'est pour cela que je peux maintenant discuter avec toi. Allahu Akbar. Voilà la crainte d'Allah Azza wa Jal dans le fait d'utiliser l'argent des musulmans. Allahu Akbar. Alors mes frères et sœurs, on se plaint souvent de personnes qui nous dirigent dans certains pays, qui sont injustes, qui sont attirés uniquement par le pouvoir, qui prennent l'argent des gens, s'enrichissent sur le dos des autres. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces dirigeants sont à notre image ou non ? Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, « Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. » Certes, Allah Azza wa Jalla ne changera pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne se sera pas réformé. Et c'est là où tout est dit. Tout est dit dans ce verset. Je ne suis pas en train de dire qu'on va dire « c'est bien fait, tant mieux que cela arrive ». Pas du tout. Tous les malheurs qui atteignent la communauté musulmane nous font saigner, nos cœurs saignent. Et on fait des do'as et on les aide avec notre argent et tout ce qu'on peut, Inch'Allah ta'ala.
Mais une chose qui est importante, la responsabilité du changement est la tienne. Vous savez, on a été pollué par un mythe. Le mythe du héros. Et le mythe du héros a été mis en avant à travers la personne, par exemple, de l'émir Abdelkader, rahimahullah, en Algérie, de l'imam Salah ad-Din al-Ayoubi, rahimahullah, dans sa guerre contre les croisés, et tout un tas d'hommes clés comme ça à travers l'histoire, et on a fait croire aux musulmans que tout a reposé sur leurs épaules à eux, et que ces héros sont venus et ont sauvé la population. Ce n'est pas ainsi. Ces hommes ont pu exprimer tout ce qu'ils avaient à dire, et ont pu faire les actions qu'ils ont faites parce qu'ils avaient des hommes derrière eux, des musulmans et des musulmanes qui s'étaient réformés et qui étaient prêts à agir. Agir dans le bien, agir pour s'élever, agir pour étudier, agir pour reprendre. Donc mes frères, ce mythe du héros, il ne faut pas le confondre avec des exemples à suivre. L'exemple à suivre, c'est celui qui t'appelle à l'action. Le mythe du héros, c'est celui qui t'appelle à l'inaction parce que tu te dis toujours que d'autres vont le faire. Regardez notre attitude dans les mosquées. Regardez la façon dont on agit. Combien de fois des imams qui faisaient des prêches et qui étaient, mashallah, proches de la réalité et proches des moussallines, des gens qui priaient, combien de fois ils ont été évincés par parfois des présidents qui étaient même analphabètes et en qui on ne pouvait pas avoir confiance au niveau de comment ils allaient gérer l'argent des musulmans. Combien de fois? Mais qu'est-ce que tu as fait, mon frère, à part te plaindre? Est-ce que vous vous êtes mis, vous aussi, en association? N'oubliez pas que les mosquées vous appartiennent, c'est les mosquées des musulmans et pas les mosquées d'une association, d'un président, un vice-président et je ne sais qui. C'est les mosquées des musulmans, c'est à nous. Il faut qu'on arrête d'attendre un héros. C'est à nous d'agir, c'est à nous de faire. C'est à nous d'agir et c'est à nous de faire. On veut avoir, Inch'Allah, des dirigeants. On veut avoir des gens à notre tête, à la tête de la communauté musulmane, qui soient extraordinaires. Alors mes frères et mes sœurs, soyons extraordinaires et on relève nos manches, on travaille, on agit, on se purifie. Et ensuite, on pourra obtenir des fruits, bi'idhni rabbil alamin. L'action à laquelle nous allons appeler aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, est très simple. Très simple. Et à la portée de tous, Inch'Allah ta'ala. Ne regarde pas les péchés comme étant des choses insignifiantes. Ne regarde pas des choses qui te semblent secondaires comme étant insignifiantes. Omar ibn Abdelaziz, le fait simplement, rahimahullah, d'utiliser une bougie qui avait été achetée par l'argent des musulmans, ça il a refusé. Pourtant, combien d'entre nous l'auraient fait, subhanallah? Ne laisse pas les choses de côté et ne pense pas que les péchés soient des petits péchés qui n'ont pas de conséquences. Chaque péché a une conséquence. Et je vais vous rappeler pour cela la parole de l'imam Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rahmatan wasi'a, en nous parlant du croyant et du fajir. Faqal, inna al-mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه وقال كذا. Il nous dit, écoutez la parole, le vrai croyant est celui qui voit chacun de ses péchés comme étant une montagne qui menace de s'écrouler sur lui, chacun de ses péchés. Quant à celui qui est un pervers, c'est-à-dire qui est éloigné de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, il voit ses péchés comme étant simplement comparables à une mouche qui passe devant lui, qui se pose sur son nez et il fait ça pour l'enlever. Ne te laisse pas manger par le temps, mon frère, parce que le temps nous tue et le temps nous mange. Ne te laisse pas manger par le temps. Ne laisse pas les péchés mineurs que tu ne faisais pas lorsque tu es rentré dans Dini Akhil Karim. Et sous prétexte que ça fait 10 ans que tu pries, maintenant tu es en train de te laisser aller, Yahri. Mon frère, ma sœur, Allah, la piété se gagne par goutte et se perd par litre. Barakallahu fikum. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous soyons des hommes et des femmes intelligents, conscients, craignant leur Seigneur. Ya Rabbal Alamin. Wa hafidhakum Allah. Alors mon frère, ma sœur, faites de cette histoire votre réalité, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala.